craint pas les éboulements. Il peut dynamiter tout type de roche. Il ose sculpter à main nue des explosifs performants qui déflagrent à la moindre secousse. Il peut réparer des lignes à haute tension de millions de volts à une centaine de mètres d'altitude. Les vrais courageux ne craignent rien. Le chemin de fer reliant le Sichuan au Tibet est un projet important du 13e plan quinquennal du pays. La difficulté de sa réalisation est sans précédent dans le monde. Ce chemin de fer traverse 16 fois le fleuve Brahmapoutre. Il s'agit de la voie ferrée à l'altitude moyenne la plus haute au monde. Sa longueur totale est de plus de 1800 km, le dénivelé cumulé de 14 000 mètres. Avec 8 parties montantes et 8 parties descendantes, les médias étrangers le définissent comme une vraie montagne russe. En juin 2015, la construction de la tranche Lhasa-Linje du chemin de fer Sichuan-Tibet a commencé. Peng Xianhua, technicien supérieur en dynamitage de tunnels, et ses collègues du groupe Ardu commencent à creuser un tunnel dans la montagne Donga. Il s'agit de la tranche à la situation géologique la plus complexe. La base géologique du chemin de fer Sichuan-Tibet est une zone de suture de la collision des plaques indiennes et eurasiennes. C'est une zone sismique. Le creusement d'un tunnel sur une telle base équivaut à ouvrir la boîte de Pandore. La première étape pour creuser un tunnel, c'est d'éliminer les pierres peu solides sur la pente. À la moindre secousse, ces pierres tombent. Ce sont d'énormes menaces pour le travail, même pour le Brahmapoutre au-dessous de l'entrée de la caverne. Elle pourrait détruire l'environnement écologique fragile du Tibet. Par conséquent, il faut être audacieux et attentionné pour éliminer ces risques en faisant des dynamitages. Comme d'habitude, Peng Xianhua cherche la meilleure place pour mettre ses explosifs. Il les pose à main nue. Le père de Peng Xianhua était un ouvrier de la première génération de chemin de fer de la Nouvelle-Chine. Il a participé à la construction du chemin de fer Chengdu-Kunming dans les années 50. Cette voie était considérée par tous comme un miracle. Maintenant, c'est le fils qui continue d'écrire un nouveau miracle dans l'histoire de la construction des chemins de fer. Il a hérité du courage et des compétences de la génération de son père. Le groupe Ardu possède d'excellents spécialistes en dynamitage de tunnels, dont Peng. Beaucoup de travaux de construction de tunnels importants ont été réalisés par Ardu. Peng Xianhua est le talent de cette entreprise. Il est connu comme le roi du dynamitage par ses collègues. La montagne Donga est composée de phyllite carboné et de siltite de quartz. Ces deux roches gonflent au contact de l'eau. Pour faire des dynamitages dans cette montagne, il faut faire une prévision géologique minutieuse et approfondie. Selon les résultats de l'examen d'ultrasons sur la montagne, Peng Xianhua peut élaborer un plan précis pour les dynamitages. Un des facteurs importants pour la précision du dynamitage, c'est la quantité d'explosifs. Ainsi, c'est Peng qui met des explosifs depuis toujours. Avec sa longue expérience, Peng a un pourcentage d'erreur dans le dosage bien moindre que celui fixé par les normes. 张志明était là pour lui想都不光他。 深度2.8米，高度4.4，肯定不够。下一节。好，下一节。Il y a généralement des dizaines de forages sur la surface de dynamitage dans le tunnel. Chacun des détonateurs doit être actionné selon l'ordre conçu. Les écarts de temps entre les dynamitages des forages se trouvent entre 10 à 100 millisecondes, plus court qu'un clin d'œil. La position relative de chaque forage, la quantité précise de la charge, le temps de dynamitage et d'autres facteurs doivent être considérés comme étroitement liés dans un système. Il faut les laisser interagir de leur mieux afin d'atteindre l'intensité appropriée de dynamitage sous un contrôle strict. Ces dynamitages frénétiques aux yeux des autres sont des sons clairs et ordonnés aux oreilles de Peng Xianhua. Peng Xianhua et ses collègues peuvent garantir que l'erreur ne se produise pas. Mais il y a toujours des secrets dans la Terre que les êtres humains ne peuvent deviner. Les problèmes les plus préoccupants se produisent quand même. De l'eau préservée dans la montagne du plateau Xinhai-Tibet sort après des dynamitages. C'est le pire qui puisse arriver. Si l'eau est trop abondante, les roches seront trempées et un éboulement est susceptible de se produire. Cela rendrait tous les travaux de dynamitage déjà accomplis inutiles et aurait un impact sur la durée de travail de toute la ligne. L'institut de conception, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et l'entreprise de construction sont réunis pour une réunion multipartite d'urgence. Les discussions ont abouti à un résultat final. Tout le monde pense que la proposition de Peng est la plus pratique et la plus raisonnable, que c'est la meilleure solution. La principale condition pour la mise en œuvre de la proposition de Peng Xianhua est qu'il doit lui-même effectuer toutes les opérations, y compris les plus subtiles. À ce moment précis, une grande surface de la roche est humide. Les roches au-dessus de la surface de dynamitage sont peu solides. Un effondrement du tunnel est susceptible de se produire au cours de l'opération. Et dans ce cas-là, Peng Xianhua n'a aucune chance de s'en sortir vivant. Peng Xianhua n'a pas laissé d'autres travailleurs venir avec lui pour charger les explosifs et insérer les détonateurs. Tout est opéré par lui-même. Cette fois, il doit faire des dynamitages plus précis. Des dynamitages assourdissants percent le tunnel. Des fumées denses sont visibles à l'entrée. Il faut ensuite pénétrer dans le tunnel pour vérifier l'effet escompté et exclure de possibles résidus non explosés. C'est le travail le plus dangereux. Peng Xianhua empêche d'autres travailleurs de l'accompagner. Il entre dans le tunnel tout seul. C'est la responsabilité de l'artisan. Il est là, debout comme une falaise, droit comme un pin. Des clignotements d'une lumière forte sont vus dans les fumées. Ce sont des signaux de l'achèvement avec succès. Peng n'a jamais déçu ses camarades. Peng Xianhua est très soigneux sur les quantités d'explosifs. Un autre artisan, Xu Liping, est très soigneux sur la forme de ses explosifs. sculpter les explosifs avant la déflagration est vraiment un travail extraordinaire. L'usine de Xu Liping est une des usines les plus mystérieuses au monde. Elle se trouve dans la montagne Xinling, en Chine. Certains missiles stratégiques et tactiques ainsi que des moteurs de lanceurs spatiaux de fusées du pays sont produits ici. Xu Liping travaille dans cette usine depuis 29 ans. Tous les jours, la première chose qu'il fait en arrivant au travail, c'est d'ouvrir chaque porte de l'atelier. Pour lui, chaque porte est une sortie de secours en cas de danger. Ce moteur de fusée à deux sections d'un diamètre de 3 mètres est conçu par le 4e Institut. C'est le moteur de fusée à propergol solide dont le diamètre, la charge d'explosifs et la poussée sont les plus grands en Chine. Le travail de Xu Liping est de faire des sculptures microplastiques sur la surface des explosifs solides de la fusée. C'est une des procédures les plus dangereuses au cours de la fabrication des moteurs à propergol solide. Les explosifs solides sont extrêmement sensibles. L'exigence sur la précision de surface de combustion est très stricte. Au cours des sculptures microplastiques, s'il y a un frottement trop fort, de l'électricité statique se produit et cela peut provoquer une combustion et une explosion. Il est donc impossible de faire des sculptures microplastiques sur les explosifs à la machine. Il faut un travail manuel. Les sculpteurs d'explosifs sont des personnes ayant des qualités mentales et une habileté extraordinaire. Cette poudre a une ténacité forte. De plus, elle contient des particules grossières. Il est difficile de contrôler la ligne de sculpture à la main. Dans le même temps, il est impossible de faire des sculptures répétitives au même endroit. Les opérations irréversibles dépendent totalement de l'expérience des techniciens. 0,5 mm. Voici l'erreur maximale autorisée sur la surface des poudres solides. Xu Liping peut mesurer précisément la taille de la partie à sculpter avec une touche de la main. L'erreur de précision ne dépasse pas 0,2 mm. En 1987, à moins de 19 ans, Xu Liping a fini ses études professionnelles. Bien qu'il soit bien conscient du risque de la sculpture de poudre, il choisit de travailler dans l'atelier de sa mère. Xu Liping a commencé à travailler dans ce métier de sculpture dangereuse de sa jeunesse à ses 50 ans. Peut-être assez aisé pour une personne d'être confrontée à un danger une fois dans sa vie. Mais il est vraiment très difficile pour une personne de faire face au danger tous les jours pendant 29 ans. La respiration de Xu Liping se fait au même rythme que ses sculptures afin de maintenir une force régulière. Selon les exigences de conception, Xu Liping peut enlever jusqu'à 5 cm de poudre. À chaque geste, il ne peut enlever que moins de 3 mm. Il faut réaliser ces sculptures microplastiques petit à petit. Il y a un contrôle strict sur l'épaisseur de coupe de poudre, les outils utilisés et les distances entre les outils dans les règlements d'opération de Xu Liping. L'assistant le plus compétent se trouve près de Xu Liping au cours de ses sculptures microplastiques. Il doit peser le poids des explosifs sculptés. Comme les explosifs sont sculptés sans cesse, la surface exposée dans l'air augmente. À un certain niveau, l'explosion se produit facilement. Xu Liping demande que tous les 500 grammes de poudre doivent être stockés dans le sac anti-électricité statique préparé à l'avance. Depuis 29 ans, Xu Liping applique son expérience au protocole détaillé d'opération. Il exige l'application stricte de toutes les personnes. Son expérience provient non seulement de ses 29 années de pratique, mais aussi de l'accident d'un collègue qui avait commencé à travailler la même année que Xu. La mort de son ami a fait comprendre à Xu Liping qu'il fallait élaborer un protocole détaillé d'opération. Depuis lors, Xu Liping fait des tests pour déterminer personnellement les performances et la vitesse de combustion de chaque produit. Sculpté sur des poudres à haute performance pour le moteur d'une fusée d'un diamètre de 3 mètres, c'est seulement un défi actuel pour Xu Liping. D'autres défis encore plus grands l'attendent. Les vaisseaux spatiaux habités de la série Shenzhou sont équipés de capsules de secours. Ce sont des moyens d'évacuation spécialement préparés pour les astronautes en cas d'accident. Bien que la charge de la poudre soit moins forte que celle du moteur d'un diamètre de 3 mètres, la vitesse de combustion est surprenante. Une fois que le point de combustion est atteint, le processus de combustion des poudres prend moins de 0,6 secondes. Étant une poudre propulsive d'équipement d'évacuation, plus la réaction est rapide, plus les résultats seront satisfaisants. Pour Xu Liping et ses assistants, la sensibilité de cette poudre dépasse toutes les réalisations passées. Si un accident se produit, personne sur place n'aura une chance de s'en sortir. Où se trouve cette limite de sécurité? Intuitivement, toutes les dispositions de sécurité tangibles sont écrites dans son manuel de travail et les règlements sur les procédures. Pourtant, la ligne de sécurité la plus importante se trouve dans le cœur de Xu Liping. C'est là que résident ses responsabilités pour ce travail spécial, sa cause et ses capacités incroyables qui lui demandent d'être infaillible. Pour Xu Liping, la ligne de sécurité est une ligne de haute tension intouchable pour lui, ses camarades et son usine. Pour Wang Jin, la ligne de sécurité se trouve dans les lignes à haute tension. Ses deux pieds sont sur ces câbles à haute tension, son corps suspendu comme une araignée sur un fil. Le plus étonnant est que ce sont des lignes à haute tension de 1000 kV. En 2016, l'achèvement, la réception et la mise en service du projet de transmission et de transformation du courant alternatif à haute tension de 1000 kV de la ligne Silingol en Mongolie intérieure vers le Shandong montre que la Chine possède des projets de réseaux électriques à ultra haute tension dont la couverture est la plus étendue sur Terre. Wang Jin est le principal responsable pour la réception des travaux de la tranche au Shandong de la ligne de transmission d'électricité à ultra haute tension. La hauteur au sommet du pylône équivaut à la hauteur d'un gratte-ciel de 60 étages. À l'aide des 886 points d'escalade, Wang Jin va grimper jusqu'au sommet à main nue. Les gens ordinaires sont effrayés juste en le regardant faire. La réception des travaux de la tranche au Shandong se fit en plein été. La température extérieure était de 40 degrés. Les mauvaises conditions climatiques sont l'ennemi naturel du travail de haute charpente. La probabilité d'accident augmente de façon significative. Wang Jin laisse son équipe sur le terrain tout en commençant à grimper vers le haut. Wang Jin est un des meilleurs ouvriers de State Grid. Il a déjà grimpé sur plus de 2000 pylônes à haute tension. Mais face aux lignes à ultra haute tension de 1000 kV, les nouveaux défis l'effraient tout de même. La réception des câbles entre les pylônes est la priorité absolue de l'ensemble de la réception. S'il y a une déconnexion au cours de l'alimentation, la province du Shandong perdrait instantanément un quart de son électricité. Les accidents et les pertes massives encourues seraient inimaginables. Presque personne ne peut imiter les gestes extrêmement difficiles de Wang Jin dans l'air. Généralement, il faut s'asseoir sur des câbles en mouvement pour opérer, saisir le câble d'une main et travailler d'une autre main. Mais Wang Jin peut travailler avec les mains en l'air, il est vraiment le meilleur. Les compétences uniques de Wang Jin ne se limitent pas à cela. Au cours de la mise en route électrique, le câble peut émettre un son. Simplement, à l'écoute de ce son, Wang Jin peut juger s'il existe des dégâts et le niveau de ces dégâts sur les câbles d'aluminium dont le diamètre est de moins de 2 mm. Ces compétences uniques font que très peu de gens à State Grid peuvent rivaliser avec lui. À ce stade, en plus de son courage, sa détermination, sa condition physique, sa patience, sa responsabilité, ses compétences pour des opérations extrêmes, tout le matériel sur son corps est une bouée de sauvetage. Ce n'est pas un show de Dawaz, c'est le travail de Wang Jin, le travail simple d'un artisan. En plus de la réception, Wang Jin doit penser à une autre chose importante, c'est l'élaboration des plans pour pénétrer en toute sécurité dans le champ électrique à ultra haute tension afin d'y mener des travaux électrifiés. L'expérimentation de décharge électrique à ultra haute tension de 1000 kV est en cours. L'induction des deux bobines électriques Tesla est en train d'être testée. Les données montrent que les personnes situées à quelques mètres des câbles peuvent être réduites en cendres immédiatement par l'arc électrique formé par l'induction à ultra haute tension. Ce genre de défi sera relevé par Wang Jin, car le miracle du travail électrifié à une tension de 660 kV ne peut être réalisé que par lui et son équipe. Sans les plans scientifiques, personne n'oserait mener des travaux électrifiés dans un environnement à ultra haute tension. Avant cela, 500 kV était la limite pour le travail électrifié. Pour les lignes de 660 kV, on n'a aucune expérience de ce niveau de difficulté. Wang Jin et son équipe doivent explorer les solutions petit à petit. Après des tests innombrables, Wang Jin a choisi la méthode de balançoire. C'est la solution la plus faisable pour ce travail. Pourtant, c'est aussi la solution la plus difficile pour les ouvriers. Si la protection n'est pas mise en place, les gens peuvent être frappés par de forts courants. Les conséquences seraient désastreuses. 再危险的工作总得有人去干。 Prenons le pylône comme point d'appui, vêtu de vêtements de protection, Wang Jin est assis dans un panier, comme sur une balançoire. Après un pivot de 90 degrés, il se charge graduellement en électricité. Au cours de ce processus, l'opérateur saisit les câbles de 660 kV grâce à des tiges de transfert de potentiel électrique. Il va marcher sur les câbles à ultra haute tension et des centaines de kilovolts vont lui passer par le vêtement de protection. 但我们穿了平底服，站在导线上之后，我们人体就站在导线上，它会造成导线本身一种电场或者说磁场的一个奇变，它也不是原来一个圆形，这样它会造成一种更大的一种放电声音，就在我们耳边一直不停的滋滋的放电，那种声音很大的，对人本身这种心理也是一种考验。 Des tests et entraînements pénibles ont assuré une certaine sécurité à la pratique. La nouvelle méthode de balançoire a réduit les risques encourus lors d'entretiens électrifiés à ultra haute tension de 660 kV. Cela garantit au maximum la sécurité des ouvriers. Wang Jin et son équipe ont gagné 2 prix de progrès technologique scientifique au niveau national pour cette technique. Pourtant, l'environnement électrifié à ultra haute tension de 1000 kV a rendu peu utiles les données fiables et les méthodes contrôlables. 相对于660千伏来说，它电压等级更高，它的要求更严，难度成几何倍数增长。Après des entraînements et des ajustements, Wang Jin et ses collègues ont amélioré la méthode de balançoire. 之前家里是对我的工作是一无所知的，他们认为我只是去管仓库而已，他们是不知道的，所以我会考虑很多我儿子、我父母等一些事情，万一我真的下不来会怎样之类的。Le 31 juillet 2016, sous l'ordre du siège de State Grid, le réseau d'électricité à ultra haute tension de 1000 kV est mis en service. À cet instant, Wang Jin va entrer dans le champ électrique de 1000 kV pour la première fois afin d'y mener des opérations. Au contraire des opérations antérieures, cette fois, sa famille comprend son travail. Les travaux des artisans semblent ordinaires. Pourtant, c'est dans ces travaux que se cachent des compétences précieuses, des responsabilités significatives pour les vies et le bien-être du peuple, des travaux pénibles insupportables pour les gens ordinaires et même des risques qui menacent la santé et la vie. Le fait est qu'un grand nombre d'artisans garantissent la sécurité de tous en risquant leur propre vie et garantissent le bonheur de tous avec leur propre force.